Vous n'allez pas du tout aimer cette vidéo, surtout toi. Alors oui, ce Z Flip 5 est à plus de 1000 euros, mais il y a eu beaucoup de progrès par rapport à la génération précédente. Ce qui a le plus changé, c'est l'écran extérieur. On est sur un écran maintenant de 3,4 pouces, et c'est clair que ça change tout. Il s'intègre parfaitement au smartphone, ça le rend encore plus premium. Il est extrêmement beau, extrêmement bien fini, il fait seulement 1,5 cm quand il est plié. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mais dites-moi par rapport au style, c'est à la fois un accessoire de mode, un smartphone. Alors moi j'ai la couleur un peu verte citron, j'aime beaucoup. Après il y a plein de couleurs et c'est ça qui fait aussi sa force, il y a du choix pour les plus chiants. Sur le Flip 5, Samsung a aussi modifié la charnière. Alors à l'époque on avait une charnière avec, c'était pas forcément plat au centre, il y avait un petit écart, c'était moche, faut l'avouer. Là Samsung a réussi à faire une charnière où le smartphone est complètement à plat, il n'y a pas de petit écart entre les deux rebords. Bravo Samsung, il était temps. Et Samsung aussi renforcé sa charnière, donc c'est une sorte de charnière anti-choc. Amusez-vous pas à le jeter par terre, mais c'est censé être plus résistant au choc. C'est pas moi qui le dis. Et d'ailleurs, merci Samsung de m'avoir prêté les téléphones. Merci, même si j'ai pas été très gentil. Enfin bref, ce Z Flip 5, complètement plié et compact. On est sur du 8 par 7 cm, donc on est sur un smartphone tout petit. Et c'est un peu le principe d'avoir un smartphone tout petit dans la poche qu'on peut rendre grand. Autre point où Samsung a fait force, au niveau du poids, ça fait seulement 187 grammes. Et pour finir, on en finit après sur l'esthétique, c'est pas vraiment esthétique. On est sur un smartphone IPX8, ce qui veut dire qu'il peut aller sous l'eau à plus de 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes, même s'il ne faut pas le faire. Sur un smartphone pliant, c'est bravo Samsung. J'ai presque envie de dire que c'est un sans faute pour l'instant, mais je vais quand même venir titiller un petit peu. Déjà l'écran externe que je trouve joli, parfaitement intégré avec cette forme de petit dossier. Et pratique et joli parce qu'on est sur un écran AMOLED, donc c'est très bien, il y a l'Always On Display. En plus, on peut voir nos notifications, on peut prendre des photos directement, on peut aller sur la météo. On peut même mettre des applications comme Netflix, YouTube, WhatsApp, répondre aux SMS, c'est très bien. L'écran est utile, mais ça manque. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'applications compatibles, une sorte de mini smartphone sur ce mini écran extérieur qui permettrait de ne pas l'ouvrir. Je sais pas, aller sur ses mails, naviguer peut-être sur le web. Bon, Samsung a volontairement pas fait de mini smartphone sur l'extérieur, et je trouve ça dommage. C'est vrai qu'une évolution, un mini logiciel, je ne sais quoi, pour pouvoir naviguer avec presque toutes les applications importante, ça aurait été pas mal. Ça manque. On ressent vite le manque, on a vite envie d'avoir autre chose et d'utiliser d'autres applications tellement c'est pratique d'avoir un smartphone fermé. Et c'est surtout très pratique, c'est pour la partie photo. Parce qu'une fois que le smartphone est semi-plié, ça nous sert de trépied et on peut se prendre en photo tout seul, pour ceux qui aiment se prendre en photo tout seul. On a deux capteurs principaux de 12 mégapixels qui vont venir s'en sortir extrêmement bien. Alors en pleine luminosité, c'est du Samsung, traitement Samsung, couleur Samsung, rendu très beau. Il y en a qui aiment, d'autres un peu moins. Moi j'adore les photos faites par les smartphones Samsung, que ça soit en mode portrait, hein. Le trouble à l'arrière, je trouve ça très réussi et même les photos de nuit s'en sortent plutôt bien. Alors oui, on n'est pas au niveau du S23 Ultra ou du S23, c'est vrai, mais on n'en est vraiment pas loin. En tout cas, on est sur un niveau de smartphone haut de gamme. Et pour le selfie, en fait, c'est la même chose, on va venir utiliser cette caméra. Comme je vous ai dit, vous utilisez votre smartphone comme trépied ou alors vous le prenez directement à la main. Vous prenez des photos selfie avec la caméra principale et ça change tout. On a enfin des photos selfie de très haute qualité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est quand même un des plus gros points forts d'avoir un Z Flip 5. Et on peut aussi filmer en 4K. Bon, il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous m'entendez. On est en 4K, là, 30 images par seconde. Il peut monter jusqu'à 60 images par seconde. Voilà. Et on va quand même me filmer, même si j'ai le 4. Bon, on est sur du Samsung, hein. Niveau qualité, niveau stabilisation d'ailleurs. On va marcher pour voir ce que ça vaut en courant un tout petit peu. Et je pense que c'est parfait. Bah c'est la même chose, du 4K 30 images par seconde, il peut monter en 60 images par seconde. Alors si je cours un petit peu, bon, sur l'écran je vois pas grand chose à vrai dire avec les lunettes, mais ça a l'air de gérer quand même, faut l'avouer. Si on lui cherche un petit défaut sur la vidéo, j'aurais aimé qu'il y ait du 8K. Ok, ça ne sert à rien, mais ça aurait été mieux. Je dois vous avouer un truc, j'étais cool avec ce smartphone jusqu'à présent. Je sais, c'est difficile à croire. Mais on va parler de choses qui fâchent maintenant. Alors oui, ce Z Flip 5 est puissant. Il a le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec 8Go de RAM. Donc au score en tutu, on a plus de 700 000, ce qui est correct. Hein. C'est pas ouf. Il va bien sûr être fluide de partout, hein, que ce soit les applications, la navigation, Internet. On est sur Android 13, bon, et les fenêtres scindées. Il y a les options d'un flex et ça fonctionne très bien. En plus avec l'écran interne qui est complètement dingue, hein, c'est du FHD+, en AMOLED 2X, super AMOLED 2X. De 6,7 pouces, en 120 Hz adaptatif. Et pour couronner le tout, on a une luminosité au pic à 1750 nits, donc l'écran, on n'a pas de défaut à le trouver normalement. Mais comme toujours, je trouve toujours quelque chose à redire, et là, l'écran
Il n'y a pas eu d'évolution, c'est par rapport à la pliure. Et oui, on ressent toujours cette pliure au toucher et on la voit toujours visuellement. En soi, ça peut pas déranger grand monde. C'est juste quand on regarde des films, bon, qu'on aime des trucs détaillés, se voir cette petite bosse, ça peut gêner certains. Sachez qu'elle est là, c'est tout. Ça gêne aussi pour les jeux. Et c'est là où la limite arrive de ce smartphone. C'est le jeu. Vous inquiétez pas, les jeux vont tourner. J'ai testé Genshin Impact, d'autres jeux 3D, bon, Alpha 9, ça tournait très bien. Mais le défaut principal, c'est que ça va chauffer. Et ça va bien chauffer. Alors non, on n'est pas une chauffe extrême non plus, mais c'est vrai qu'il chauffe rapidement et ça devient vite désagréable. Et ce qui veut dire que bah, la batterie va le sentir aussi passer. Après, c'est quand même agréable en jeu, hein. Faut pas que je sois trop méchant. Surtout qu'il a un son stéréo, donc ça rend quand même l'expérience plus agréable, faut l'admettre. Mais cette fameuse chauffe va venir, comme je vous l'ai dit, baisser la batterie. Vu qu'on n'est pas sur une batterie extraordinaire, on a 3700 mAh, comment vous expliquer ça? Ça va être suffisant pour l'utilisation quotidienne. GPS, navigation, internet, YouTube, etc. On pourra tenir la journée avec, ça peut le faire, ça va le faire. D'ailleurs, il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte, et ça on a l'habitude maintenant, et il est quand même limité à 25W, de charge maximum. Donc il faudra plus d'une heure pour le charger complètement. Mais voilà, l'autonomie, vous l'avez compris, dès que vous lui demandez un peu de puissance comme le jeu, ça va fondre très vite et ça tiendra pas du tout la journée. Après, il faut quand même comprendre Samsung, on est sur un smartphone petit, coupé en deux, plié, donc le processeur est d'un seul côté, processeur puissant, confiné, chaleur. Mais ce qui vient fusiller la concurrence complètement là où Samsung va faire un strike, c'est sur les mises à jour. Parce que oui, on a les mises à jour Android qui durent donc 4 ans et les mises à jour sécurité qui vont jusqu'à 5 ans. Ce qui veut dire que dans 4 ans, ce smartphone sera toujours opérationnel alors que la concurrence, bah, je vais pas dire que c'est pas le cas, mais en tout cas, il y aura pas les dernières mises à jour Android dessus. Et là, j'ai envie de dire bravo Samsung. À plus de 1000 balles, de toute façon, on s'attendait pas à moins et Samsung l'a compris. Bah oui, vous l'avez compris, ce Z Flip 5 est vraiment pas fait pour tout le monde. Ou presque. Si vous êtes un utilisateur lambda, un peu comme moi, des vidéos, GPS pour vous promener en ville ou en voiture, navigation standard dans la journée, hein, que ce soit les web, aller sur TikTok, etc. La journée sera tenue. Voilà. En utilisation standard. Après, si vous êtes un grand joueur ou quelqu'un qui est en permanence sur son smartphone, vous l'avez compris, ce Z Flip 5 s'est amélioré au niveau de l'autonomie par rapport au Z Flip 4. Ça, c'est très bien. Surtout qu'il a un plus bel écran, donc c'est encore mieux. Mais il ne tiendra pas la journée. Ne rêvez pas. Donc, si vous voulez un smartphone pour la vie quotidienne tous les jours, qui soit très beau, étanche et que vous comptiez garder longtemps, bah, c'est un bon investissement. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix qui existe sur le marché, mais finalement, si on compte sur la durée, c'est peut-être le meilleur choix à faire. On est un peu limité au niveau de la mémoire interne. Sachez qu'elle a 256Go de stockage et la 512Go de stockage. On n'a pas la possibilité de mettre une carte SD pour étendre la mémoire, ou d'ailleurs n'y mettre de double SIM. Alors si je devais conclure sur une phrase, ça serait plutôt un véritable coup de cœur, hein, surtout esthétiquement, je l'aime. Mais comme tous les coups de cœur, on se rend compte après qu'il n'est pas forcément parfait. Et qu'il va falloir accepter ses défauts, parce qu'il est trop beau. Puis surtout, le côté extrêmement compact, hein, on peut pas lui enlever, c'est quand même méga pratique. Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous là qui me regardez maintenant, bah, si vous aimez le Z Flip 5, si j'ai été gentil avec lui, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez vu maintenant? Et bien sûr, si vous me découvrez en même temps dans cette vidéo, bah, c'est sympa, si vous vous abonnez juste en dessous avec la cloche de notification, hein, ça peut, c'est un peu une façon de dire merci pour cette vidéo. Voilà, et les Tukimontiens qui me regardent, bah, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là, et bien sûr, je vous dis à la prochaine vidéo, qui sera sûrement le Z Flip 5, Z Fold 5 que j'ai ici, ou alors la Galaxy Watch 6 que ici, bon, j'ai la panoplie totale Samsung et il faut bien que je les teste. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, bye.